comme l'une des parties les plus importantes de la Conférence mondiale de l'Internet. L'exposition joue un rôle très, très important. Elle nous montre toujours les dernières réalisations de la technologie d'Internet. Alors, maintenant, suivez mes pas, on va regarder ensemble. Plus de 600 entreprises participent à cette exposition et se concentrent sur des produits à la pointe de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage, la communauté de demain, la médecine intelligente et la technologie 5G. Voici un véhicule d'ambulance piloté à distance. Ça veut dire que je peux piloter un vrai véhicule à l'extérieur en manipulant le volant à l'intérieur. Le véhicule réel sur la route est contrôlé à distance par le cockpit. Ensuite, grâce au retour de 5G, le principe de faible temps de latence et de haute fiabilité est réalisé. Les applications principales consistent à remplacer la personne qui conduit en cas de problème. Regardez, tout est plat. Et maintenant, je vais faire une petite montagne. Voilà, une petite montagne. Il s'agit d'un sandbox pédagogique intelligent 5G qui capture les modifications du sable à travers l'appareil photo, puis revient dans le nuage en temps réel, au rendu et à la modélisation en trois dimensions, puis revient aux lunettes via 5G. Je veux voir de quelle façon la 5G va pouvoir m'aider personnellement. Il y a beaucoup de projets VR cette année et s'il y a vraiment des jeux holographiques dans le futur, je veux en faire l'expérience. Je viens ici pour regarder le monde extérieur. Il faut connecter sur ce monde car c'est l'époque d'Internet. Ce sera très amusant. Nous avons déjà entendu parler de cette exposition. Cette fois, nous sommes ici pour faire l'expérience de la technologie de pointe chinoise. En voyant tant de choses avancer, je suis également fier du développement de notre pays. Avec les participants de plus en plus nombreux et les technologies de pointe, on construit une communauté de destins partagés du cyberespace tous ensemble.